rien. Alors, est-ce que tu es déjà allé voir une voyante? Non. Non? Alors, je sais pas si un jour, quand tu iras, tu remarqueras que la première chose que te demandent les voyantes, c'est de couper le jeu. D'accord? Mais avant, elles te réexpliquent bien à quoi correspond le cœur, à quoi correspond le trèfle, le carreau, le pic, etc. D'accord? Donc, ça veut dire l'amour, l'argent, le travail, la vie professionnelle, tout ça. D'accord? Ensuite, elles demandent de couper le jeu. Ok? Et moi, en l'occurrence, elle m'avait fait choisir 4 cartes. D'accord? Voyons voir. Le 2, le 5, le roi, le 9. Alors déjà, c'est pas une bonne coupe. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cœur. Ah. Et le cœur, c'est important, parce que ça veut dire l'amour. Ah oui. D'accord? Mais c'est pas très grave, parce que il m'est arrivé la même chose. C'est-à-dire que quand elle m'a fait couper sur 4 cartes, d'accord? La première carte sur laquelle j'ai coupé, ça a été le 2 de pique. La deuxième, ça a été le 5 de trèfle. La troisième, le roi de carreau. Et finalement, le 9 de pique. Mais elle m'a expliqué qu'en fait, il y avait une de ces 4 cartes qui était plus importante pour moi que les 3 autres. Tu aurais choisi laquelle? Le roi de carreau. Le roi de carreau? Parce que je ne sais pas si tu as fait attention, mais ici, il y a une boule de cristal. Et en fait, si on regarde à l'intérieur de la boule, il y a de la fumée qui se forme. Et au bout d'un moment, si on regarde bien, il y a une carte, une seule, le roi de carreau. Ouais. La carte que tu as librement choisie. Merci Aurélien.